Ouais, j'en remets un. Eden en ward. Tout sur ma mère, ça m'a pas marqué. Faut pas taper ma main. Putain, le dommage aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Le tirade, ça va. Le dégât, c'est pas trop ça. Hein. Amores Perros. Ok. Amour perdu, Amores Perros. Je parle pas d'autres langues que l'anglais. L'allemand, je peux deviner quelques trucs. Connard. Inaritu. Pourquoi on a la musique de la PlayStation là? On dirait la musique de lancement de la PlayStation. Pour 3€, t'as un mois Netflix. Oui. Ça m'a trigger. Quoi? Qu'est-ce que t'as trigger? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que j'ai dit comme de la merde. Oh, pas mal ça. La PS1. Ah. The Hermit. Netflix, c'est 3€. Le premier mois, je pense, non? T'as pas un truc dans le genre? Amour chienne. Ah, d'accord. Avec 21 grammes et Babel. D'accord, je connais pas du tout. Aucun des trois. Des os, Bubuche. C'est pas grave. Bubuche qui crie, là. Hâte de crier. Ah là là. Ah, ça m'avait manqué, hein. Vous m'avez tous manqué. Crie pas dans la maison. dis ton papa en gueulant, sais-je. Ah, de crier dans la maison, putain. Je suis moins chill, mais on sait pourquoi. Mais, franchement, tant mieux. Et félicitations si tu tiens... si tu tiens un maximum. C'est cool. Hey Chris, 24 places de ciné à 2€ dans l'année. Putain, ma mère elle avait ça avant, c'était trop bien. Pas 24, mais genre il y en avait 10 places de ciné, un truc comme pas cher. C'était pareil, c'était pas 2€, c'était genre 4€. Mais en vrai, c'était cool quand même. 4€, on était content. J'ai acheté Fall Guys. Alors, j'ai pas acheté Fall Guys encore. Je sais pas si j'ai envie de l'acheter parce que. Pour jouer en stream, c'est rigolo. Mais il faudrait que j'ai plus de copains qui jouent. Faudrait que je vois avec Host s'il est chaud du jeu. Mais là, je sais pas où il est. Faudrait que je lui envoie un message. Vu que je suis rentré à Lyon, il sera peut-être dans le coin. Mais il était reparti en vacances. Il était parti, reparti, re-reparti. Enfin, je l'ai perdu. Je l'ai retrouvé. Je l'ai reperdu. Alors, est-ce que Fall Guys, j'ai vu qu'il y avait des soucis avec les serveurs. Mais sinon, est-ce que le lancement s'est bien passé? Parce que j'étais pas trop sur internet. Toum. Un truc de droite. Ah non, mais vous savez que Host il est de droite, hein, de toute façon. Je vais lui pourrir sa répute. Ça c'est un peu fort. Pas mal de soucis serveur. C'est ce que j'avais entendu dire, ouais. Ils ont du mal à équilibrer des parfois, ok. Il y a des trucs qui sont pas. Des jeux qui sont pas bien équilibrés. J'ai vu qu'il y avait des gens qui. Allait de ouf sur l'attrape-queue en solo là. Que comme quoi c'était le pire jeu. Parce que c'est genre c'est un truc qui durait 1 minute 30 et en fait ça joue à 10 secondes de la fin. Et c'est vrai. C'est le cas, on avait déjà vu ça pendant la bêta. L'attrape-queue en solo là, mais. J'ai vu que les gens ils râlaient de ouf sur Twitter là. Genre pourquoi vous mettez des jeux de merde, truc. Bon après les gens sur Twitter ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ça tiendra pas sur la durée? On verra, je pense. Hein. En fait, faut voir le prochain patch. Là, ça tiendra genre 2-3 mois. Et ensuite, faudra voir le prochain patch. Comment ils arrivent à re-hyper un peu. En fait, j'ai vu qu'il y avait une hype de malade parce qu'ils avaient fait des costumes et tout là. Ils sont en train de faire de la pub pour avoir des costumes de tous les jeux. Un bordel monstrueux. Tout le monde veut sa place dans les costumes là. Ce qui se comprend hein, parce qu'ils ont. Il commence à avoir une grosse audience, j'ai vu que c'était grosse vente sur Twitch, grosse vente sur Steam. Donc il y a de quoi, ouais. Fin août, c'est fini. À fin août, vous pensez? Moi j'aurais dit peut-être fin septembre. Ils font pout pout pout. Pout pout. Pout pout pout. Oui, des bombes, c'est cool.
Parce que j'ai encore la Black Rune, hein, c'est pour ça que je dis oui. Oui ou non. On peut douter, on peut hésiter. On va faire des skins spéciaux. Tu peux te faire voler à la fin, trop nul, attrape que. Et les jeux en team. Alors les jeux en team, j'ai vu qu'il y a un vieux meme sur la team jaune, comme quoi c'est la pire team. Bon, ça c'est des mêmes in-game, hein, c'est rigolo, mais... je sais pas, les jeux en équipe ça peut être sympa, genre le foot ou des trucs comme ça, c'est pas si mal. C'est un bon moyen d'éliminer la moitié des gens aussi, donc... KFC et Konami ont fait des skins et tweet le compte de Fall Guys. Oui, c'est ça, hein. C'est ouf, hein. KFC, ils ont pas besoin de la pub de Fall Guys, hein. Ils ont jamais besoin de la pub de Fall Guys, hein. Et pourtant, ils ont décidé de faire un skin, de profiter de cette hype qui s'est montée. C'est assez impressionnant, hein. Ça, c'est oui. Le Void, c'est un grand oui. Black Rune, ça, je Void, ça. Ok, bah vous savez quoi, c'est un excellent deal que j'ai eu là. J'ai un bon tier rate, il va me falloir trouver du dommage up. J'ai un peu de speed up. Mon argent dans le jeu dont j'ai parlé sur Discord, le There is no game. Faudra que je regarde, ouais. Je regarderai le live de Shishayu si tu me dis que c'est cool. Voir comment le jeu va se renouveler. En fait, pour moi, c'est ça. Fall Guys, pour l'instant, c'est un jeu cool. Et ce sera dead game ou pas. Prochain patch. Mais pour l'instant, je peux rien dire. Bon, pour l'instant, on peut pas dire dead game ou pas dead game. C'est prochain patch. Dès qu'ils sortent des nouveaux jeux, des machins, une saison en fait. Dès qu'ils sortent une nouvelle saison de Fall Guys, on pourra dire dead game ou pas. Pour l'instant, on peut rien dire. Ne regarde pas trop, sinon ça perd son intérêt. D'accord. Ah oui, c'est un jeu à casse-tête, tu m'as dit un peu, non? Et du coup, il vaut mieux pas se spoiler. Est logique. Ah oui, j'ai money equal power. Ah oui, donc le pognon, c'est bien. Point and click, d'accord. Okay. Attends, mais point and click, c'est pas point and click à la Monkey Island, non? Si? Ou c'est plus un truc à la Samoros ou je sais pas quoi. Il y en a un version flash. Ah si, totalement? D'accord. J'avais mon deal pour pas gâcher le Void. Point and click version puzzle, d'accord. Ok. Un peu machinarium alors avec des puzzles. Machinarium avec des puzzles. Si je me rappelle bien, ça fait longtemps que je peux jouer au machinarium. En vrai, machinarium c'est un jeu de quoi, 2005? Non, 2010. Ça c'est Void, speed up c'est cool. La version PC est mille fois mieux, j'imagine. Mille fois mieux. Mais d'accord, je jetterai un œil. Plein d'humour, d'accord, ok. Bah pourquoi pas jeter un œil. En attendant Rogue Legacy 2, faire un jeu en live. Parce que là, le Panthéon, là, moi, je suis chaud. Hein. Le Panthéon, il tombe demain. Mec super chaud, tu sais. En vrai, j'avance pas mal, hein. Dans le Panthéon, là. Je me démerde pas mal en ce moment. J'ai bien train et tout. Je pense qu'il y a moyen qu'il tombe soon. Very soon. Y a un budget. Si tu fais 24 heures non-stop de train. Ah non, mais là vous savez pas, mais je me suis entraîné. J'ai rajouté au moins 10 heures de jeu sur All Might. Hein. J'ai débloqué spoilers Radiance Véritable. Donc ça veut dire que j'ai fait le Panthéon une fois jusqu'au dernier boss qui est Radiance Véritable. Et je suis mort, évidemment. Mais du coup, j'ai fait Radiance Véritable en synthonisé déjà. Alors en ascension, pas encore, parce qu'en ascension, le boss fait 4 de dégâts.
C'est un peu compliqué. Oh merde, j'avais pas vu Fight Poop. J'ai fait tous les boss en ascension. Et Radiance en ascension, faudra que je le fasse, mais Radiance en ascension, je suis pas prêt, je crois. C'est un peu vénère. Je traîne hors stream. Bah, je suis à 37 heures de jeu. Donc, je sais pas combien j'étais en quittant le stream, mais je suis à 37 heures de jeu maintenant. Sur cette save. Je suis à 50 heures en tout. Mais bon, ma save d'avant, j'avais 20 heures et quelques. Qui a joué à Incredible Machine ? Ah, ça me dit rien du tout. Contraption Maker, ça me dit rien. Ah, mais si, c'est. Putain, c'est pas un truc où tu. Ah, si, j'ai vu des. C'est Twin, je crois, j'ai vu tweeter là-dessus. C'est un truc où t'as des boules qui tournent, qui entraînent d'autres boules et ça fait des machins gigantesques. Non, c'est pas ça ? Enfin, ça doit pas être très clair pour les gens qui connaissent pas le jeu, mais. Je me suis dit ça parce que j'ai réussi le fait de speedrun grâce à moi, qui m'a donné envie de refaire du Knight. Incroyable influence. Influenceur sur le Knight. Sur un jeu sorti il y a 3 ans. C'est beau. Et bah ça fait plaisir. Hein. Merci pour ce message. Et bah, félicitations pour le speedrun. C'est quoi le speedrun? C'est en moins de 10 heures, non? Ah oui, je sais pas ce que je prends. Je prends ça. Ah, c'est nul. Je prends ça. Ça, c'est bien. Tu dois faire toi-même le parcours. Ah, c'est peut-être pas ça. Hein. Mais pas histoire de parcours, je crois. C'est genre, t'as un objectif. Tu dois remplir des slots avec des perles ou je sais pas trop quoi. Et tes machines, elles doivent emporter les perles avec elles. Et ça fait, ça rajoute des bras et des machins comme ça. C'est à moins de 20 heures, ok. Uni% en 3 heures et le 100% en moins de 20 heures. Ah, t'as fait le uni% en moins de 3 heures du coup? Non, t'as fait 14 heures, idiot bête. Donc t'as fait le 100%, félicitations. Solide en vrai. T'as fait les deux. Ah, tout simplement. T'as fait les deux, bah GG. C'est beau ça. Quand tu connais, ça se fait, ouais, c'est ça. Tu connais 2-3 skips ou des machins. Je suis sûr que t'as même pas besoin de skip parce que dans les 3 heures qu'ils ont prévues, c'est sans les skips de ouf qui ont été trouvés après, je pense. Hein. Je pense que c'est avec des premiers skips qu'ils avaient prévus, du genre sauter sur un ennemi. Genre du sequence break, mais pas du game break, quoi. Je pense que si tu connais le glitchless. Alors, glitchless, ça doit être moins de 3 heures en vrai. Mais je pense avec 2-3 glitch, il y a moyen de skipper des trucs, non? Je connais pas beaucoup le speedrun de The Knight, pour être totalement honnête avec vous. Donc c'est pas quelque chose que j'ai regardé. De rien jusqu'à tous les panthéons en 3 heures. Ouh, ça va. Après le panthéon, on a dit c'était combien le panthéon en speedrun? 8 minutes, 5 minutes je crois vous m'avez dit, non? 5 minutes le panthéon en speedrun. J'arrive pas à y croire d'ailleurs. Genre moi je mets 10 minutes par panthéon et eux ils mettent 20, ils mettent 5 minutes. Après quand t'as tout train hein, les panthéons c'est... Ah d'ailleurs oui, alors en parlant de training et compagnie, il y a un truc que j'ai vu en m'entraînant que je savais pas du tout, parce que j'ai fait les syntonisés et les ascensions, pensant à débloquer quelque chose, et en fait je me suis pas rendu compte, mais il y a encore Radiant, il y a encore un niveau au-dessus de syntonisé et d'ascension pour l'entraînement des boss. Et j'ai pas tenté encore, donc je sais pas si c'est genre... Comme ascension, c'est tous les dégâts x2, est-ce que c'est x3 ou est-ce que c'est 0 hit? Parce qu'il y a des boss, je les fais pas en 0 hit. Hein. Il y en a quelques-uns, je pense que je les fais en 0 hit, mais
Il y a des boss, jamais je les fais en 0-8. Hein. C'est en 0-8, d'accord. Bah je les fais pas, il y a des boss, je les frappe pas en misant en 0-8. Hein. Et en vrai, je pense que c'est pas ceux auxquels on pense. Parce que par exemple, il y a des boss que je ferai en 0-8, du genre pure vaisselle. Parce que de toute façon, il fait tellement mal qu'il faut esquiver. Donc je suis presque au niveau du 0-8. Et il y en a où je ferai pas du 0-8 parce que c'est un boss qui me saoule. Du genre, ou qui est dur à esquiver. Du genre, les mantes. Les mantes, elles vont vite, elles tapent vite et tout. En 0-8, c'est un peu la galère. Hein. Transistor, la musique, c'est... écrit là-haut. Et d'ailleurs, maintenant, vous pouvez faire point d'exclamation Kuren Sang, si vous voulez vérifier. C'est accessible. Et vous pouvez, je le rappelle, faire des requests de musique qui sont dans la playlist. La version ultime des sœurs. Elle est divine en 0-8. Mais le combat est vraiment génial. Hein. Accent anglais correct. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Je l'ai mal dit? J'ai dit quoi? Current song. Je suis aveugle, c'est pas grave. On a qu'à dire que pour vous aussi c'est la creuse. Je note qu'il esquive la question sur les complétions de Dark Souls. Quoi? Quelle question? Vas-y, j'ai un spawn. C'est pas si mal, les gars. Dark Souls, c'est pas prévu, hein. Moi, j'ai pas dit je vais faire les Dark Souls. Hein. Placard No Metal 2. Ah. Pauvre MV, hein, il aurait jamais dû tenter ça. Il aurait jamais dû en parler. Hein. Maintenant, il doit recevoir des mails tous les mois, là. Il est Carlton. Je suis sûr il y a des mails de fanboys qui disent... T'as le Toll 2, là. Enfin, des fanboys agressifs. Putain, fais ton Toll 2, là. Je sais pas pourquoi, mais je pense. Si je dois finir le Panthéon, ça va me motiver à faire les... au fait du mode Steel Soul. Ah. Ah oui, c'est hardcore, deathless. Je sais que je veux les faire. Ah, je veux faire les Dark Souls. Ah merde. En vrai, j'aurais bien envie de faire les Dark Souls parce que j'avais... En fait, pour vous dire exactement, j'ai adoré jouer à Sekiro. Et donc là, vous allez me dire, mais connard, c'est pas Dark Souls et tout. Mais, c'est quand même les mêmes devs. Donc peut-être qu'il y en a qui pourront me conseiller, est-ce que Sekiro, ça ressemble à un autre truc, je sais pas quoi. Et vous pourrez me dire, si t'as bien aimé Sekiro, commence par Dark Souls 2, j'en sais rien. On joue à Bloodborne, machin. Le 100% sans mourir, c'est un poil chaud. Mais non. Mais non. Sekiro. En vrai, c'est un bon jeu, Sekiro. J'ai passé un très bon moment sur Sekiro. C'est un très bon jeu. The Surge en Soul-like. Putain, je m'étais lancé dans... un truc avec des guns, là. Remnant from the Ashes. J'ai pas kiffé, hein. J'ai pas trop accroché. Alors que j'adore Lovecraft, mais je sais pas, ça m'a... Ça m'a pas trop parlé. Parce que c'est un peu Lovecraft, tiens. Ok. Je veux les robes. Je veux The Nail. Je veux Void The Nail. Et si t'es drôle, Bubuche. Tech X. Oh là, je me fais un boss rush avec Tech X. Bah, du coup, hein. Je peux prendre le boss rush pour Tactics, hein, ça vaut le coup. Mais Dark Souls est le meilleur, le plus mal aimé c'est le 2, moins pensé en termes de level design. Avec des mécaniques plus punitives, le 3 c'est le milieu entre les deux, d'accord.
J'avais cru entendre par Red Mercury, qui est un grand fan de Dark Souls, qui disait que le 2, effectivement, c'était pas sa cam. Le 1, en vrai, j'avais bien kiffé le speedrun et tout. Faut les faire dans l'ordre. Genre, c'est quoi, c'est vraiment mieux de les faire dans l'ordre ou... Parce qu'il y a une histoire vraiment entre les Dark Souls. Le lore se suit mieux quand tu les fais quand même dans l'ordre. Genre vraiment. Ça a vraiment existé. Doom. Parce que le lore, il est un peu planqué dans Dark Souls, non? Il y a ça qui me fait un peu peur aussi sur les Dark Souls en stream. C'est tous les gens qui viendront me dire « Mais type principal jeu, tu vas pas chercher l'item qui est caché là-bas derrière, machin. » Ça me fait un peu peur. T'as pas lu le livre qui te dit que les 18 rois, et en fait, ils étaient 17, et voilà. Désolé, hein, mais bon. J'ai un peu peur de ça. Il y a des liens, mais ça n'a rien à voir en termes de période, d'accord. C'est mieux comme toute série, ok. Enfin, ça pourrait ne pas être important. Hein. On peut pas installer stop critiquer Dark Souls 2. Aïe aïe aïe. No spoil, no backseat. Enfin oui, là ça ira parce que vous êtes pas 12 000, mais... Quand je regardais chez Atto là, les gens ils le spoilaient de ouf. C'était quoi, c'était le 2 je crois, ou... Non, c'était le 3 je crois qu'ils disaient. Les gens ils disaient, mais t'as raté un coffre là, t'as raté un coffre. Il va voir le coffre, il y avait genre une potion de merde là. Bah super. Bravo Nils. Flame Tears, pourquoi pas, vu que j'ai... Le Tech X de toute façon. Mais bon. Je sais pas, Dark Souls, du coup. Faudrait que ce soit un peu dans le style de Sekiro. Faudrait que ce soit... niveau gameplay et tout. Sekiro avait bien vendu du rêve. Il a pas stipulé. Ah si si. Atto, il a mis no spoil, no backseat. D'ailleurs, ces modos, ils bannaient à foison. Nodus. À tour de bras. Exactement. Son public, bah, ils sont 2000 là. Hein. Ils sont 2000 chez Atomium. Hein. À 2000, ça peut spoiler backseat. Hein. Je pensais Thunder qui est magnifique, mais le gameplay est pas terrible. Ah! Thunder, mais si, attends, je l'ai fait, j'avais joué en stream, non? Ou je confonds avec autre chose? Salut Tsukiru. Bon, ça va. Demon's Souls. J'étais bon à hardcore que maintenant. Alors, Demon's Souls, je prendrais bien le remake là qu'ils ont annoncé. Attendez, je vais juste charger mon void pour pouvoir void ça, là. Comme ça, je void le bouquin et le nail. Je suis ultra safe. C'est histoire de dire, hein, parce que je suis full cœur, déjà. Hein. Il y a toujours des relous et pas des habitués, oui, c'est ça. Ça va, ça va. Je suis de retour de vacances, c'est bien passé, je suis content. Ça a été, j'ai un peu bossé, j'ai un peu fait gaffe à mon régime. J'ai pris du poids, je me suis dit je vais faire attention. Du coup j'ai fait attention. Demon's Souls c'est un one shot. Bien ça. Oh, pas mal ça. Non, tu peux pas le refaire parce que tu te spoiles trop de trucs. Mmh.
Mais bon, je pense qu'ici, niveau spoil, il n'y aura pas des masses de trucs. Mais parfois, les gens aussi, je sais pas si c'est maladif, mais ils peuvent pas se retenir. Moi, je comprends un peu aussi parce que quand je regarde des streams de Isaac, j'ai envie de backseat de ouf. J'ai envie de dire, mais putain, pourquoi t'as pas pris ça là? Qu'est-ce que t'as fait là? Je me retiens. Donc, je comprends les gens qui ont beaucoup joué à Dark Souls, qui sont trigger, genre putain, mais pourquoi tu mets pas ton truc de foudre alors que ce boss il est sensible à la foudre? Tiens, ouais. Je peux comprendre, des gens qui ont beaucoup poncé le jeu. Mais bon, faut se retenir. C'est dur, mais faut se retenir. Le seul défaut, c'est que si tu veux faire 300%, c'est quasi impossible sans Solus. Ah oui, il y a l'air d'avoir 1000 trucs planqués. Pourquoi j'ai pas pris Soy Milk? Exactement. Non, mais genre... L'autre fois, je regardais, ça fait un moment déjà, mais c'était MV qui avait Brimstone. Et il a pas pris Lump of Coal. Parce qu'il pouvait le roll ou je sais pas quoi. Et en fait, j'ai tellement l'habitude de voir Lump of Coal avec Brimstone et de savoir que c'est fort avec le speedrun et tout, que quand il l'a pas pris, je me suis dit merde. Je me suis retenu, mais en fait, heureusement. Parce qu'il y avait 20 pélos dans le chat qui de toute façon avaient déjà dit « Ah mais t'as merdé, c'était bien, fallait le prendre et tout. » Voilà. Mais bon, je me retiens du mieux que je peux. C'est pas toujours facile. Hein. Quand il y a un objet qui reste dans un étage, par exemple, je dis « Attention. » Attention, là, c'est un gros combo. Hein. Rien n'empêche de faire une game plus. Oui. Après, bon. Dark Souls, je veux pas faire des new game plus. Hein. Dark Souls, je le ferai pour le faire 1, 2, 3 et puis voilà. Éventuellement Bloodborne. J'aime pas si j'ai... En fait, j'hésite à ça... Est-ce que j'ai vraiment envie de les faire ou pas, quoi, parce que... Ça peut être de bons jeux, il y a potentiel... Un peu de hardcore gaming, des trucs un peu comme ça qui sont... Qui m'intéressent aussi, mais bon... Je sais pas, c'est... C'est compliqué, quand même... Il faut faire les trois, il faut... Ça prend du temps, je pense, les Dark Souls, quand même. J'ai pas dit que j'allais passer 300 heures sur le lac quand je vais acheter, c'est vrai. C'est vrai. Doum. Doum.